Coucou, je te vois, de Airy Lee Johnson Choi aux éditions Didier Jeunesse. Alors, sur la couverture blanche, la feuille verte et brillante attire immanquablement le regard. Ce visage dont on ne perçoit que les yeux et qui pourtant est très expressif, ça intrigue. L'album tout cartonné met en scène un jeu de coucou. Différents animaux se cachent derrière des feuilles sur une première double page avant de se dévoiler sur la suivante. Et évidemment, un gros dinosaure qui se cache derrière petite feuille, c'est pas super discret. Ça amuse d'autant plus les jeunes lecteurs que le texte est en opposition, puisqu'il prétend qu'il est bien caché. Le lion ne fait guère mieux. Et le chat est à peine plus discret. Mais la petite grenouille, elle, est bien dissimulée. Jusqu'à ce qu'elle saute. D'une façon générale, l'album est plein de mouvements et d'humour. Les expressions des animaux sont assez irrésistibles. Mais ce dernier est un gorille ? Mais non, c'est mon papa. Ce coucou caché est donc très adapté pour les tout-petits.